La quatrième édition des Africréa Awards 237 et je viens en tant que guest. Ah bon, hein? Pour l'histoire d'Africréa, vous ne voyez pas que c'est seulement le petit peuple qui en parle. Comment ça? Ceux qui étaient les guest stars, qui étaient habillés comme on ne sait où, qui ont les millions d'abonnés, où est l'homme qui ne parle pas de ça? Où est donc ça range et ça? World Night Experience Africréa Awards 237. Il faut vous assurer de faire les choses bien. Moi-même, j'ai été nominé dans une catégorie, c'était quoi? Meilleur conseil TikTok, un truc de ce genre. Mais je savais déjà que c'était la bouillabaisse parce que j'avais déjà entendu parler de cette affaire d'Africréa Awards. Ils nominent ou alors ils préfèrent donner les trophées aux gens qui sont dans leur tête. Les votes, tout ce qui va avec, ça ne vaut pas la peine. Tu as organisé, d'après toi, hein, c'est la cérémonie des avoirs, des récompenses, des prix, des mérites, gens qui ont mérité. D'abord que depuis que ça, moi, jamais me suis intéressé à ça parce que moi, j'ai toujours compris que c'est l'arnaque. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas toujours reçu mon argent. Je pense que ça, c'était pour l'année 2022 ou 2022. On avait dit que mettez les numéros et non dans le livret d'or, dans le livret argenté. Jusqu'à présent, je n'ai pas toujours reçu mon argent. Tu gagnes une nomination, même 5 francs, comme on ne te donne pas. Tu te bats pour demander à tes abonnés d'aller voter. Déjà que les votes sont payants et tout ça. Pardon. Je suis même malade. J'attends toujours mon argent. Chaque année, on vous dit que cette histoire, c'est le fait. C'est le vol. Vous avez bien insulté en 2021. Et pourquoi Gilles m'avait même retenu? Je me serais posé sur leur cas. J'ai eu 12 953 votes. Fois 200 francs CFA. On parle ici de 2 590 600 francs CFA, imbécile. Divisé. Par 655, il veut le monter en euros, c'est en euros qu'il veut recevoir l'argent là. 3 950 euros, même un frère vous laisse pas avec. Je suis 3 950 euros dans le pactole que vous avez approché. Si l'argent là ne vient pas. Si c'est du spirituel, c'est la magie. Hein, parce que si, même spirituellement, ça va bagarrer. Je ne peux pas laisser mon argent des votes que mes fans. Donc mes fans ont cotisé plus de 3000 euros pour que je gagne. On me donne pas le trophée. Le fait, le vol. Chaque année, vous partez, vous pensez que vous allez. Ils ne vont pas vous récompenser, ils vont vous voler. Ils volent. Ouais, baisse. Moi, personnellement, pour cet événement, je regrette tout. Je regrette mon déplacement, mes dépenses, tout ça. C'était un voyage qui nécessitait des dépenses. Et j'ai dépensé. Tu organises ça, tu fais venir, tu nomines toi tout le monde. Tout le monde est nominé. Oh, quelqu'un marche en route, il a ramassé le caillou, il a visé sur le chien. Le chien a fait wouh. On a filmé, ça a fait le buzz et il est nominé. Quand on fait une cérémonie de récompense, c'est au moins sur un an. On prend un an pour évaluer tous ceux qui ont créé du contenu et maintenant on vote, on fait ce qui va être pour choisir les meilleurs d'entre eux. Vous savez d'abord que votre métier de créateur de contenu là, on ne reconnaît pas trop ça. Même le gouvernement fait comme si on vous néglige souvent un peu. Donc quand vous voyez un événement comme Africréa, un groupe de personnes qui se portent carrément pour créer un événement, pour vous mettre en valeur, il ne faut pas chier, c'est ça. Imbécile. Tête de prune. Là, comme il est, avec sa tête comme la pierre. Si on me donne tout ce que j'ai dépensé, la Seigneur. Vous savez, imaginez aussi les filles comme ça, que non, on vient un peu d'arriver sur la toile et puis après on nous invite à un tel événement. On a dit que non, on va saisir notre chance. Mais après, on part. Ah, non, je sais pas. On parle nous malmener ou parce que nous sommes encore nouvelles. Comme parce qu'on n'a pas on nous malmène de cette façon. Parce qu'on a fait des dépenses de près de 50 000 pour arriver où nous sommes allés là-bas. Et 50 000 pour nous, c'est pas. Et tout ça, pourquoi on ne cite pas ta catégorie. Avec le taux de pourcentage qu'on avait dans cette catégorie-là. Là, je suis très déçue. Maman. Je suis très déçue. Ça, c'est on ne dit jamais, jamais, mais on ne dit jamais. Jamais. Non. Plus ça. Vous voyez. Chaque année, on vous dit que cette histoire, c'est le fait. C'est le vol. Le savant Macabo et lui d'Arachide que vous partagez aux gagnants, c'est quel message que vous voulez leur faire passer? Regarde ton fils alors, c'est la guerre. Non, c'est la guerre. Ah! Après que quelqu'un gagne, on donne combien? 10 000, donc on donne même rien. Non, si tu veux encourager les gens bien. Si tu veux que tu veux encourager la culture de ton pays, fais-le bien. À chaque fois qu'on donne le savant Macabo, Elie d'Arachide la crème, c'est qu'ils sont de la Réunion. Vous voulez leur dire quoi? Ils sont membres de la Réunion. Vous qui avez reçu. Aucun cas. Regarde, il y a par exemple les Tchik Dengue. Il y a qui là? Il s'appelle comment là? Tchik Dengue, il y a Claude Njala. Il y a Bob Dylan. Il y a les gens comme ça au Cameroun qui tiennent le game. Regarde le Bob Dylan, il est le meilleur concept actuellement avec dans le vin. Ils n'ont rien gagné. Donc ils sont au Cameroun là-bas, ils perdent seulement le temps. Gars, je ne vais pas critiquer l'événement, mais tu exagères. On peut même pas appeler ça un événement. Non, ça c'est juste pour avoir l'argent. Oui, ça c'est clair.
Mais ta cérémonie, c'est vraiment à ce moment-ci, là, ça ne sait. C'est vraiment du matu vu, c'est du montring, c'est du voiring pour faire comprendre que tu as fait venir les gens au Cameroun, mon frère. Arrêtez souvent de faire des cérémonies qui, de ce genre, pour soi-disant récompenser. Si tu veux faire venir les gens comme les Fatou au Cameroun, fais-les venir, mais fais pas venir les gens sur le prétexte qu'ils vont venir gagner les trophées au Cameroun. C'est insultant pour les Camerounais. La prochaine fois, vous partez pas avec les pailles. Mais quand vous allez mettre les vestes de conseil, non, c'est la réunion. Donc vous mettez vos ensemble du sur paille, et vos chemises même du 8 mars, même si vous voulez, vous partez maintenant. Tu ne peux pas, tout le monde est nominé dans toutes les catégories. Les catégories sont même des catégories bizarres, les catégories qui n'ont pas de sens même. Tu comprends, tu vois, tout le monde est dominé. On veut forcer mettre une catégorie qui n'a pas de sens. La catégorie meilleure donatrice, ça sert à quoi? Challenge de Jadjarija, ça sert à quoi? Pardon, il faut bien faire les choses que vous voulez faire à Free Créa Award, sinon ça va se gâter dans votre monde. Ce qui me fait mal, ce qui me fait parler, moi, c'est que tu n'es pas vrai avec nous, grand. Tu n'es pas vrai avec nous. Parce que chaque fois que tu viens vers nous, c'est toujours que, à moi déjà, c'est les awards, hein, vous aurez les primes, hein. Mais quand c'est les autres, là, tu les payes les billets d'avion, ils sont logés, ils sont nourris, ils ont les cachets. Mais nous, non, c'est les awards, hein, vous aurez les primes. Mieux tu nous tapes sec grand que sur le business, mais plus petit. Et tu donnes tel montant, tu fais la publicité de mon événement, et puis on est quitte. Vous comprenez dans la compréhension? Très bien. Vous venez de comprendre comme ça les réactions de plusieurs jeunes. Plusieurs jeunes qui sont mécontents de ce qui se passe avec, je vais parler uniquement de l'événement des awards Africa Créa. Donc les gars, ce que je peux vous dire, honnêtement les gars, honnêtement, faites un peu du sérieux dans ce que vous organisez là. Faites un peu du sérieux. Ça fait pas, ça n'arrange pas l'image du Cameroun. Vous êtes toujours en train de critiquer les autres, montrer comment les autres font mal. Il faut le changement. Il faut, si vous-même vous ne changez pas déjà vos mentalités, vos propres artistes, vous les négligez. Mais vous prenez les artistes qui sont ailleurs, vous payez le billet d'avion, vous les logez, vous les donnez à manger. Mais vos propres artistes, voilà, les jeunes petites filles qui y'a au Népoudoua là, elles payent leur transport elles-mêmes. Elles arrivent à Douala, elles payent leur hébergement, nutrition. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Pourtant, vous avez des sponsors, des gros sponsors même d'ailleurs. Non. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Après, vous allez commencer à vous plaindre du gouvernement. Vous-même, vous faites quoi? Vous faites quoi? Montrez d'abord l'exemple. Une petite cérémonie comme ça. Non, franchement, excusez-moi de mélanger avec nos plaintes pour le changement. Changeons d'abord nos comportements, nos mentalités. C'est trop. Et c'est même déjà laid. Bon, les amis, vraiment. En tout cas, c'est le 237, comme on a dit. Si on t'explique le 237, juste ça, tu comprends, c'est que la folie en qui te prend déjà. Donc, c'est que tu es déjà en train de go. Merci de partager la vidéo. Si vous êtes nouveau, les amis, sur ma chaîne ou sur ma page, je vous prie de vous abonner et de partager la vidéo. Ça, c'est la chaîne de l'actualité. Ça, c'est la chaîne du buzz. Ça, c'est la chaîne du divertissement. Ciao. C'était le général Franco. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.